Encouraging innovation and widening access to effective and affordable vaccines to combat diseases that affect the poorest people in the world is a major challenge for MSF. Today we know that the three main killers are pneumonia on one hand, malaria on other, but obviously diarrhea is one of the main killers today still, and specifically in developing countries. Acute diarrhea accounts to almost 11% of the deaths that we're having worldwide. So it's a very important disease that has a burden that is much more higher in developing countries. And today we know that rotavirus is the main agent that causes severe gastroenteritis. So giving a solution to this, we believe it's extremely important. La diarrhée est une grande cause de maladie chez l'enfant au Niger, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. C'est une grande cause aussi de mortalité. En fait, il y a plusieurs vaccins contre le rotavirus qui sont utilisés. Et jusqu'à présent, les vaccins qu'on utilisait contre le rotavirus, c'était des vaccins pour lesquels il fallait un respect de la chaîne de froid. Vous savez que nous sommes dans des pays chauds, il faut garder donc le vaccin à une certaine température. Quand la chaîne de froid n'est pas respectée, c'est-à-dire que le vaccin est soumis à la chaleur, il peut être dénaturé et donc inefficace. Mais depuis quelque temps, Epicentre mène depuis un an environ une étude ici à Maradi sur un nouveau vaccin contre le rotavirus qui ne nécessite pas en fait le respect de la chaîne de froid. Et je pense que c'est une très bonne chose pour nos pays chauds où vous savez que le respect de la chaîne de froid nécessite de grands moyens logistiques que souvent nous n'avons pas. Et donc je pense que si ce vaccin se révèle efficace, ce serait une très grande avancée dans la lutte contre la diarrhée chez les enfants au Niger et en Afrique. An independent committee of experts has confirmed the efficacy of this new vaccine against rotavirus. It now must be made available globally in order to protect millions of children against rotavirus diarrhea diseases. MSF is always trying to look into the context and giving answers very much adapted to the context. So this vaccine has the advantage of a thermal stability, and we expect to have a bigger access towards it with a price that is convenient for the countries where the burden is the highest.